Une dernière question, si vous le permettez. On annonce une prochaine loi sur nos sécurités et nos libertés. Quelle est votre position sur ce sujet ? C'est intéressant parce que, et plus qu'important, nous sommes toujours en guerre. En guerre avec le terrorisme, mais pas que. Il est important de clarifier un fonctionnement, les fonctionnements d'écoute, les fonctionnements de récolte de données personnelles de chacun d'entre nous, citoyens, lorsque nous nous déplaçons à l'intérieur même du territoire, au sein de l'Union européenne et au-delà, à travers le monde entier. Pour cela, c'est un projet de loi qui permettra à la fois de sécuriser ces données-là, puisque c'est la sphère publique qui les récupérera, et non plus la sphère privée, comme ça l'était jusqu'à présent. Et ce projet de loi garantit la liberté de chacun. On diffère la conversation privée de la conversation publique. Et on apporte en même temps un système de sécurisation, notamment sur le transport maritime, qui n'était moins sécurisé que le transport aérien, pour ne donner qu'un exemple, parce que nous sommes obligés aujourd'hui de développer une nouvelle façon d'assurer la protection de nous tous, suite à malheureusement tous ces attentats que nous avons subis. Mais vous entendez que, compte tenu de cet état d'urgence, vous nourrissez l'inquiétude des gens en supprimant le juge, par exemple ? Alors, l'état d'urgence, il faut qu'on en sorte. Il porte bien son nom, c'est un état. Il faut que nous puissions rapidement passer à un autre système plus stable qui garantisse à la fois les libertés individuelles, parce qu'il n'est pas question, le terrorisme gagnerait si on en venait à devoir contraindre les libertés de chacun. Et en même temps, il faut pouvoir assurer un contrôle juste, réel et efficace des informations qui circulent sur le territoire et de la circulation de l'ensemble de nos personnes. Donc, on ne voit pour l'instant que les premiers échelons. On parlait de la suppression d'un juge, mais la loi est pensée de façon globale afin que chaque pion, chaque responsabilité puisse être en lien pour avoir un résultat plus efficace et plus rapide. Eh bien, écoutez, je vous remercie et je vous dis à très bientôt. Merci.